J'étais allé faire beaucoup de visites de maison, en fait, puis il y en a une que j'étais allé visiter à Saint-Sauveur. J'arrive là-bas, puis la propriété, là, était pas très belle, était pas neuve, mais la localisation, écœurante. Fait que j'arrive là-bas, puis le gars, c'est un bonhomme assez bâti, là, assez direct, assez solide, là, qui est genre, ouais, ça c'est la maison, t'as la porte d'entrée, okay, on rentre là, ouais, la cuisine est là, le salon est là. Tout ce qu'il me disait, là, ça me passait 6 pieds le savant, j'entendais rien parler trop vite. Puis là, je suis comme, OK, bon, le plancher a changé, la cuisine a changé, OK, salle de bain a changé, ah, gros potentiel, j'ai foncé le mur-là, on fait ça à l'air ouverte, on met ça moderne, cool, je vais pouvoir monter la valeur. Attends, là, ça commence à rouler l'hamster, le solide en rentrant en propriété, puis la valeur a du sens, puis tout, il demandait vraiment pas cher, je trouve ça cool. Là, finalement, on descend dans le sol, oh, là, ça sent à plein nez la moisissure solide, mais pourquoi? Continue à marcher. Il y avait une grosse toile là, qui couvrait quelque chose au fond. J'ouvre cette toile-là. Hey boy! Commençait à être buzzé, il y a qu'à sortir ça. Le gars faisait pousser du pot dans sa maison à Saint-Sauveur, caché, puis essayait de revendre la maison dans un hors listing parce qu'il n'a pas passé à travers un courtier. Mais là, l'affaire, c'est que le gars me disait que ouais, la police est déjà venue, mais elle a pas déclaré que c'est une maison de potes, parce que là, ils ont pas arrêté. Fait que là, finalement, je peux comme la vendre sans dire que c'est une maison de potes. Puis, mais là, je dis, oui, mais c'est tout moisi. J'ai dit, moi, là, même si je remplace tout ça, je suis dans l'obligation de dire que ça a déjà été une maison avec du poussage de potes, là, tu sais. Puis ça, pour moi, ça va énormément diminuer ma valeur. Je vais être hyper perdant. Fait que, oui, tu me faisais un bon prix, mais là, avec ça, ça marche pas, là. Fait que tu vois, c'est des fois, là, tu visites des propriétés et des affaires assez fuckées, merci. Ben.